Le collectif Votons en opération tractage à J-2 du premier tour. Ces bénévoles se rendent à la sortie des écoles, des centres sociaux et dans les quartiers défavorisés. Leurs objectifs, lutter contre l'abstention, notamment en ciblant les enfants d'immigrés qui ont le droit de vote à défaut de leurs parents. Ils souhaitent par la même occasion sensibiliser à la politique sans pour autant militer pour un parti en particulier. Le collectif regroupe beaucoup d'associations comme la Ligue des droits de l'homme, les maisons de quartier, les centres sportifs. On va écouter tout de suite un de ses membres du collectif au micro donc de Macha Younessen. On sait tous que la plupart de ces familles issues de l'immigration ont des enfants qui sont nés en France et ont la nationalité française. Et donc ces enfants-là sont inscrits sur les listes électorales, mais malheureusement, parfois, la politique, ça ne leur parle pas. Ils ne sont pas en phase avec la politique, ils ne sont pas intéressés avec la politique parce que, bon, bah, ils ont des problèmes divers, hein, des problèmes d'insertion professionnelle, des problèmes économiques, et parfois ils sont un peu déçus de la politique.